Et salut, salut tout le Salut monde! tout le monde, on est à C'est Port du Chaman. ouais, du chaman, on lance tout de suite! Rappel, on est avec Odemian à la pré. Quoi, l'avant-première de l'extension. L'avant-première de l'extension, c'est exactement ça. Et donc, on a accès à toutes les cartes et bah, de l'extension. Et du coup, moi j'adore le chaman, alors j'ai envie de tester un petit chaman quête. Ça a l'air sympa. Oui. Quand on a Oui, non, testé. le deck quand on l'a testé avait l'air prometteur. Voilà, y a des choses, y a clairement des choses qui peuvent être modifiées. On vous invite évidemment à faire des tests chez vous dès que vous en aurez la possibilité et d'essayer de le triturer un petit peu. Voilà. Pour ça, il faudra attendre le 6 août, hein. Ouais, ça sera le 6 août, la sortie de l'extension. Bon, on essaye de focus vraiment là-dessus sur les laquais, les cris de guerre. Ouais. C'est ça qui est très sympa. Les meilleures cartes sont les cartes qui donnent des laquais, parce que tout simplement elles représentent plusieurs cris de guerre, et plus vous avez de cris de guerre, plus vous proquez votre quête vite, et plus vous dédoublerez de cris de guerre une fois que votre quête sera proc. Donc Voilà. voilà. Alors, on manquait un petit peu de cartes vers le tour 5, 6, 7. Du coup, on hésitait. Toi, t'aimais beaucoup Ingénieur Novice. Moi, je suis parti plutôt sur l'élémentaire, le Nimbus, Ouais. menaçant. On va voir ce que ça donne, mais voilà, donc dans l'idée, pendant les 5-6 premiers tours, on a quand même beaucoup de cartes pour gérer l'aggro, on a mis le package surcharge pour ça. Peut-être que si la méta est un petit peu plus lente, on peut virer ce package surcharge pour des trucs un petit peu plus greedy. On a testé un peu Vecina aussi, ça avait l'air très bon. Dès que Ouais, vous avez ouais. une ou deux créatures sur le board, immédiatement ça prend de la valeur. C'est très très fort avec les petites étincelles. Ah mais tu les joues pas les petites étincelles. Ah si si, Voltaic Burst, si si. Et Thaïs, il les Faut rend deux. vite. Il est monté vite hein? Ouais. On a tous commencé rang 25 et Thaïs en une journée, il est Ouais. passé rang 8 alors qu'il joue que contre des. Alors, je veux pas dire que des joueurs pros, mais quand même que Ouais. contre des streamers, tu vois, des Ouais. gens qui ont pas mal d'expérience sur le jeu. Et on joue contre Silverheim qui est dans la pièce à côté de nous. Tout à fait. Un joueur russe de la team Spirit. On enlève tout, hein, il va pas être très aggro normalement. Ouais. Allez. On a vu Shtenudachi qui jouait un bon truc tempo bien sale là Oui, mais justement. d'ailleurs, ils sont à côté. Ils sont juste à côté hein, donc. Ah! Ah Du coup, mince! bah après t'as la web, c'est pas grave. En vrai t'as une bonne sortie. Ouais, T'as on Weaponized a Wasp qui est incroyable. la guêpe. La guêpe, Guêpe électrique. c'est ça. On va poser ce totem tout de suite qui va être embêtant à gérer pour un mage. Pour un mage, bah. Ouais, ça peut être pénible. Ah. Ah oui, il joue très aggro lui. Peut-être pas en fait. Peut-être pas si embêtant, mais t'as quand même besoin de poser le totem. Parce qu'on veut se laquer. Hein. On aurait pu attendre un. Ouais, non. Non, je pense pas. Hein. Non, non, non. Au moins, tu le forces à ping. S'il veut t'agresser, c'est raté. Il est obligé de ping là. Ça le ralentit pas mal. Ça le ralentit un peu, c'est plutôt bien. Du coup, on va jouer ce Nimbus 2000. Non. C'est un Nimbus Oh! 2000. Ah non, on va pas jouer On le va pas jouer Nimbus le Nimbus 2000. Hein. 2000, ouais. Et le laquais, on va le garder quand Ouais, même. bien sûr, pour la guêpe. Hein. Ou alors, on se dit que la guêpe, on la joue pas tout de suite. Ah, je pense que. Je pense Le, si que. t'avais d'autres laquais en main, je dis pas, mais là, t'as aucun générateur de laquais en main, donc c'est quand même vraiment risqué. Mais je suis d'accord que c'est un peu un problème parce que ça te force plus ou moins à jouer la guêpe. Non. Pas forcément envie de la jouer là, à voir ce qu'on récupère. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme nouveau. Bah, tu peux le récupérer lui-même. On peut récupérer la 3-2, le Zephyrs. Oui. C'est Ou. vrai? Bah. C'est un élémentaire? Ouais, il me semble que c'est un élémentaire. Wow. Bah, c'est un génie, non? Ça sort de la Ouais, lampe, bon, ça, c'est. cela dit, ça sert à rien. Mais... On le joue hein, quand même. Vas-y, vas-y. On le récupère lui-même. Allez, let's go. Pas du tout. Alors là, Ce mais n'est pas un cri de pas guerre, du tout, du malheureusement. tout. Mais ouais, le Zephyrs, je crois que c'est un élémentaire. Par contre, comme Ok. on a plein de cartes en double, ça aurait pas marché du tout. Non. Ça aurait été une 3-2. Oui, effectivement. Mais tu sais qu'il n'est pas inintéressant à jouer juste dans un deck contrôle, peut-être, en disant tu pioches tout ton deck. Ouais. Si t'es contre un aggro, tu joues tes deux, c'est une 3-2, tu vois, Ouais. ça peut tenir le board. Et quand t'arrives late game, quand t'as plus qu'une ou deux, trois cartes dans ton deck, tu joues ça et ça peut te donner de la value monstrueuse, peut-être. Ça va te donner... Tu penses que si t'as plus de cartes dans ton deck, il donne Elysia? Ah ben non. Ah, Oui, il il le peut pas. donnerait Il si t'es peut en pas. classique, Oui, quoi, oui. mais là il peut pas. Il peut pas, ouais. Il y a des choses qui remettent en classique, qui remettent des cartes dans ton deck? Non, pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait ça en mode classique ou C'est peut-être fait basique. exprès d'ailleurs. Ok. Donc on va jouer ça. On va du coup devoir zap la 3-4. Ah! Ça. Éclair fourchu est pas mal, hein. En Dans l'occurrence. tous les cas, ça fait 2 de Dans surcharge. tous les cas, t'es surchargé de 2 et celui-là, tu conserves ton laquais. Donc c'est juste meilleur. Hop là. Et au prochain tour, du coup, tu peux faire guêpe. Enfin, buveuse. Alors, cette guêpe, elle est particulièrement forte parce Ouais. qu'elle peut aller dans la tête. Et du coup, tu Oui. vois, une fois que t'as ton cri de Ouais, guerre qui est elle fait doublé. 6. Ouais, une fois que Elle t'as est ton cri de guerre monstrueuse. qui est doublé, elle fait 6, tu peux avoir les buveuses, tu peux avoir plein de trucs, et tu peux un peu tuer comme un rogue avec ses laquais. Ouais, en fait, sur un tour 6, vous pouvez potentiellement, si vous avez proc la quête, vous faites
doubler les... Oh. Ça traite trop bien ça. Ouais. Vous faites doubler les cris de guerre. Vous faites un laquais dont le cri de guerre est doublé et ensuite 6 dégâts tête ou 6 dégâts dans une créa. C'est juste vraiment excellent. Ça c'est presque une Bloodlust mais que tu peux jouer genre... C'est ça. De manière c'est naturelle. Un rugissement sauvage que à jouer nature. Ils sont tous en train de jouer les mêmes decks les Russes en fait. Ouais, on part là-dessus. Ouais, je pense. C'est un peu risqué de le laisser au vu de ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Mais... Frost. Oh. Ancestral Spirit. Alors ça attention, le Lightning te donne des tokens. Hein. Te donne des petites 1-1 avec Thunderhead. Bah non, c'est pas un sort, si. Ah non, c'est une carte avec surcharge. Oui, carte avec surcharge. Bah c'est un sort en plus. Ouais, mais du coup, les 1-1. Alors, les 1-1 proc après. Moi je préfère Frost Shock okay. À la limite. En Frost Shock. Voir, voir ça. Mais bon. Ancestral Spirit, je sais pas trop quoi en penser. Et Feral Spirit. Ok. Ça j'aime bien. Ah si oui non t'as raison ça proc pas, c'est vrai que c'est sur le truc d'Agatha, je suis bête. Non ça, ça marche pas. Je crois pas. Non non je suis fou. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était un lac et sort en fait que t'étais en train de lancer donc j'étais j'étais déphasé. Vous me pardonnerez la journée a été longue. Pourquoi il joue ça? Je ne sais pas. Ah, je sais pas mais ça se met pas si mal. Bah du coup pour lui ça se met plutôt bien. Après le Flamestrike qu'on vient de récupérer là il est plutôt délicieux également. Ça... S'il fait pas trop les trades, il va trade quand même. On le joue? Je ne sais pas. J'ai bien envie de faire un cri de guerre quand même. Hein. On peut faire ça et laquer. On okay. Gèle ça. Ouais. Tu veux le zap ou pas? Non, on peut zap non, au prochain non, tour. On avec. Zappera plus tard. Ok. Ouais, vas-y, vas-y. Et comme ça, on pourra commencer à dupliquer nos cris de guerre ouais. Du laquais par ouais, exemple. Ouais, si tu vas dupliquer le cri de guerre du laquais, ça a beaucoup de sens. Tu peux commencer à buveuse. Si tu le souhaites. Et puis surtout, là, il peut refaire peut-être un board un peu conséquent, prendre des value trade. Et là, ouais, le Flamestrike. C'est ça. Là, le Flamestrike va vraiment le punir, sachant qu'il nous reste 7 de mana. T'as tout à fait raison. Non, c'était juste bien de jouer l'horreur ici. Ah bah. Quand on parle du Flamestrike. Mais il sait pas encore ce qui va lui arriver, lui. On va pas le faire tout de suite, par non. Contre. Hein. Thunderhead. Tu peux faire Voltaic Burst et Zap. Hein. Tu gardes même des 2-2. Ouais. Bien, ça. Par acquis de conscience. Alors oui, on va pas l'utiliser ce tour-ci, mais ne vous inquiétez pas, à partir du prochain tour, ça va commencer à être... Ça va commencer à être bien utile. Avec ta pièce, tu pourrais faire oui. Ça, pièce carnivore. Et là, ça devient n'importe quoi. Parce que tu joues presque que des cris de guerre en fait dans le deck, donc la multiplication fait très 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 mal. Oh, ok. On peut jouer ça. Ça donne plus de l'attaque. C'est vrai. Et on a le trade. Ouais, c'est pas mauvais. Ah, celle-là, par contre, une fois que t'as fait la quête. Celle-là, elle fait très mal hein, une fois que t'as fait la quête. Elle est un peu nulle. Hein. Elle est très forte quand tu as la quête, mais quand tu l'as plus, c'est compliqué. Hein. Par contre, le Carniflore, il va nous redonner plein de laquais. Oui. Ah, ça, c'est un problème. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas la gestion. Mmh. Enfin, si, on l'a en fait. Flamestrike, doubler le crit de guerre et. C'est cher. Et faut ça, voir s'il peut. Oh, Fireball Face. Ah bon? Ok. Comme ça, c'est bien ça. Tu fais laquais. Enfin, tu dédoubles, tu laquais, Voltaic Burst, Life Drinker. Oh, c'est bien ça. Et du coup, comme ça, tu récupères un peu des PV en plus. J'ai l'impression. Oh, attends, mais ça, c'est boosté en plus. Ah oui. Oui, mais pas suffisamment. Du coup. On en fait que 1 et trade. Ouais. Et buveuse. Et tu peux même jouer la Costine. Et là, il fait le malin, mais il va prendre un grand Carniflore. Ouais. Est-ce qu'il a encore. Oh. Oh. On s'en sort pas trop mal. Bon, on va faire Flamestrike, hein. Ça a quand même l'air pas mal là. On va faire thank you Flamestrike. C'est lui qui a commencé. Ah, c'est lui qui a commencé. Oh, il a c'est cherché, sale. Il a cherché, il a cherché.
Mais je comprends pas pourquoi il joue le trickster. Je sais pas, mais c'était. Oh! Oh, what? Bah, go! Ouais, let's go, Carniflore. C'est parti. Bon, je pense que normalement ça devrait le faire. Alors, on le gèle peut-être? Non! Ça va, face. Mais on est surchargé donc tu peux mettre l'arme face. Hein. Ah, mais la voilà. Buveuse. La qui est face? Ah, dommage. Non. Oh, face, 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 face! Ah, bah, il t'a pas de laqué sur le board. On a pas de laqué. Bon, je crois qu'on a. Bien, là. Je crois on qu'on a lock cette victoire quand même. Je crois que ça passe. Quand même. Mais il peut pas s'en sortir. Non. Il ne peut pas s'en sortir. Du coup, on peut faire ça. Ouais. Ah non. Bah si, ça marche. Hein. Ah, je pensais que ça allait tuer avec les dégâts face, mais on peut pas cibler. Attends. Attends. Totemic Surge. Totemic Surge, c'est. Mais pourquoi on a eu ça? Parce que c'est ce que c'était son pouvoir qu'il y avait sur la l'horreur. Mais non, c'était Frost Shock. Mais non, mais t'as eu une nouvelle horreur. L'horreur qui est générée, c'est pas la même. Ah oui, c'est vrai. L'horreur qui est générée par, par Carniflore, c'est pas la même que celle d'Agatha. C'est juste c'est que t'as, comme t'as eu Feral Spirit, tu t'es dit que c'était la même. Mais absolument pas. Elle était sympa cette game. Ouais, bah après, il nous a bien aidé et. Oui, il nous a donné le Flame Strike, c'est vrai. Mais c'était sympa. Tu penses qu'une tempête pourrait être intéressante dans ce deck? Une ou deux? C'est difficile parce que tu veux tellement maximiser le nombre de cris de guerre et. Ouais, c'est simple. C'est un peu problématique. Par contre, je pense que les buveuses, t'en as besoin pour te soigner si t'en as pas. Ouais, buveuse, ça nous a potentiellement fait gagner la game là. J'ai pas regardé exactement ce qu'il avait discard, mais. La quantité de dégâts, la quantité de PV que tu récupères en doublant le cri de guerre de buveuse est vraiment, vraiment intéressant. Bah, on l'a vu, on le connaît bien grâce au voleur. Hein. Ouais. Oui, ça, voleur, il utilise aussi la buveuse pour se soigner. Plus de ça, ça met une certaine pression. Question, c'est est-ce qu'on voudrait pas mettre éclair carrément dans le deck? Juste pour être agressif en fait. Hein. En tout cas, le petit élémentaire, bon, il a fait le taf beaucoup plus que ce qu'on pensait. En nous donnant cette 7-7 qui a donné plus d'attaques. Ouais. C'était sympa. Gepetto, on l'a pas vu encore. Non, on l'a pas encore vu, Gepetto, effectivement. Bon. Ah, druide. Et contre Tanudashi. On garde tout. Peut-être pas ça quand même. Tu penses qu'il joue token? Non, je pense pas. Je pense pas non plus, j'espère pas. C'est un peu un pari qu'on fait parce que contre oui. Un druide token, elle est vraiment wow. Forte. Hein. Ça peut être une quête qui se proc très vite, ça. Bah, ouais. Très très vite. Allez, le rat qui va pop sur le T2. Bon, on se doutait que c'était un druide quête. Hein. Globalement, c'est essentiellement ça. Allez. Voltaic Burst, en vrai, sans le sort légendaire, c'est pas fou. Et le sort légendaire, en pratique, il doit être ok parce que t'as plein de laquais, t'as plein de trucs. Mais t'es tellement obligé de les jouer au fur et à mesure oh, que. Totem. On évolve et on fait le. Ouais. Parce que tu veux qu'il. S'il fait rien, ça t'arrange là du coup. Merde. Oh non. Les cartes de l'adversaire coûtent. Ah un non, de moins. Non, non. En vrai, c'est grave, tu penses? Bah quand même, non? Je sais pas. Là, il peut faire les abeilles pour deux. Ouais, c'est grave. C'est quand même pénible. Ah, peut-être qu'il avait prévu de jouer la 1-4. Oui. En plus, c'est toutes ces cartes. Ouais. C'est même pas là, genre la première carte chaque tour ou un truc comme ça. Terrible cette carte-là. Ah, non, là c'est chaud là. Après, on met la pression techniquement. Ça met de la pression. Ouais. La momie généreuse. Elle est bien généreuse. Hein. Bien trop généreuse, cette momie. Alors. Il a l'air en galère pour gérer ton totem en tout cas. Ouais. Parce que le totem il est important à gérer. Derrière on a quoi? On a un rat. Deux autres laquais s'ils nous le laissent. Ouais, s'ils nous le laissent, ouais. Trois autres laquais du coup. Donc, ouais, on peut faire la quête. On finit la quête s'ils nous laissent le totem là. Bah on finit le laquais, on finit le. Ça marche pas. Non. Non, vas-y, on fait juste des laquais. Hein. Ok. Tu veux faire le Sandstorm élémental quand même? Bon, il sert à rien en vrai. Non, ça, tu le mets pas à tête si? On risque d'en avoir besoin. On va générer un autre laquais. Ouais.
Oh, j'aime bien okay. me dire. Ah, tu veux juste blinder? Ok. Bah, ce que je me dis, c'est comme ça, au tour d'après, on peut faire la quête et directement dupliquer. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, il y a peut-être à laisser cacher là en vrai. Tu penses? Mais dans ce cas-là, on n'a pas la place sur le board. Ouais, je sais pas du coup. Enfin, je dois au mal tuer la 5-4, je sais pas. Oui, je pense pas qu'il va tuer la 5-4. Ah, si, il peut la tuer et faire swipe. Il peut la tuer et faire swipe. Oh, swipe à 3, il active sa quête. Swipe à 3, j'avoue. Quel enfer. Bah, oui, oui, c'est ça. Swipe le laquais serait trop fort. Ah. Et swipe, du coup ah. Du coup, il avance pas sa quête s'il fait ça. Non, il va faire colère à 1. Colère à 3. Et colère à 1. Ok. Elle nous a bien pourri la vie, cette momie, quand même. Terrible. Elle a fait genre 5 points de dégâts. Je suis pas sûr que ça compense. Je suis pas sûr que ça compense tout le mal qu'elle a fait. Pas du tout. Oh. C'est leur peur, c'est pas mal. Bah, d'abord on fait ça. Parce qu'on veut dupliquer les prochains, non? Ok, vas-y. On fait ça, on duplique et on joue les deux laquais. Enfin. Ok. Ça, ouais, 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 c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on récupère là? Laquais rush. Laquais Evolve. Tu peux le laquais rush dans la 2-1. Enfin sur la 2-1 et aller trade la 1-4. Là on a vraiment l'impression que j'ai le voleur. Bah ouais, les laquais ça reste une mécanique similaire. Manque plus que ta waggle. Donc là il va faire les 5-5 rush. Il pourrait faire météore aussi hein. S'il avait eu météore, peut-être qu'il l'aurait fait au tour d'avant, mais c'est pas sûr. Non. Pas sûr du tout. On peut jouer la 2-2, l'évolve deux fois. Ouais. Hey. Hey. Last game, ok. Okay. C'est parfait, ça se goupille bien. Sortir de. Bon, lui, on va pas le faire, on va faire ça. Ouais. Et là, tu la double évolve. On se fait sortir de chez Blizzard, on a essayé de répondre. Oh, pas mal. Bah, pas mal, comment tu vas l'activer? Ah, ouais, non, pas. Moi, c'est ma seule question. Et du coup, ouais, donc c'est la fin de. Ce sera la toute dernière vidéo depuis chez Blizzard. Et pour la suite, il faudra attendre le 6 août pour non, l'extension. Le druide. Oh, le nul, il active pas. On peut rien faire. C'est un peu le souci avec ce deck quand tu. Quand tu trouves pas ta pioche, quoi. C'est que tu peux te retrouver dans des situations quand même très très mortes. Hein. Ouais, j'ai un petit doute, ouais, c'est ça. C'est tour. À chaque fois, tour 6, 7. Ouais. On manque un peu de trucs à faire. Peut-être que le. Ouais. Non, peut-être... mais l'élémentaire il est bon. Mais... Le truc c'est quoi la Zap, Voltaic Burst, tout ça, c'est des bonnes cartes, mais. Qui sont un peu lentes quoi. Ah, cet élémentaire il fait mal aussi. Hein. On a joué pas nous la marque du lore. Non. Oh. Ça alors. Je crois qu'on revient pas de cette situation. attends, je crois que ça va être très difficile. Vas-y, on j'ai fait ça pris. Et on voit ce qui se passe. Ok. On peut zap en vrai. Vas-y. Totem et Live Drinker, je crois pas que ce soit ça qui va nous permettre de revenir. Attends. Ça, Live Drinker. Ouais. On remonte Live Drinker. On non. refait Live Drinker. Si tu rechoppes Live Drinker, mais le problème c'est qu'il tue le temps que tu fasses ça. Ça, il a 16 déjà sur le board. Hein. Ouh. Ah oui, bonjour. Il a 24 là en tout. Ouais, c'est ça. Là, si tu chopes buveuse, t'es 2 off. Oh. Bah, t'es 2 off du coup. Ah non, t'as pas de laquais, j'ai rien dit. Ça fonctionne pas. On peut pas la rejouer. Non, non, t'as pas de solution là. Sur Tulurp. Il n'y a pas de solution malheureusement. Bien dommage. Par ailleurs. Dommage, on était pas loin. Bon, c'est ce qu'on disait, ce druide, contre tout ce qui est pas soit ultra gros, soit ouais. mage, sur le long terme, il est trop fort. Hein. Arrivé tour ouais. 8, 9, 10. Ouais. Et bah pareil, on n'a pas de grosses AOE, donc on n'a pas de moyen de revenir sur un board comme ça quoi. Incroyable. Ah, parce que ça cogne très fort hein, dès qu'il prend le board. Bon, bah voilà, du coup, c'était la dernière partie.
la petite dernière de cette session. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de Odemian aussi. Odemian et Vince, pardon, hein, vous êtes deux. Tout Vince à fait. À qui j'ai ramené une très jolie casquette qu'il aura sur sa prochaine vidéo. Elle est stylée, j'avoue, pour le coup. Elle a une beau tête. On a récupéré plein de goodies. Genre, on s'est vraiment fait régaler par Blizzard. C'était incroyable. Énorme. On a eu genre. Attends, je vais pas tout ramener. J'ai peur de tout casser, mais on a vraiment eu plein de trucs. Donc bizarre, merci beaucoup. Tapis de souris, verre à l'effigie des personnages. Enfin, genre, il y a juste plein de trucs. Et on a pu tester toute l'extension en avant. C'est vraiment on kiffe. Donc voilà, on a hâte de jouer tout ça le 6 août. Voilà. Bah, voilà. Je pense qu'il nous reste plus qu'à remercier tout le monde de nous avoir suivis, que ce soit pendant l'événement ou sur ces vidéos. Et puis on vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Ciao.